Bonjour internaute et bienvenue chez Figure de Style. Si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous êtes au courant du flash mob qu'on organise. Donc je vais vous donner quelques détails sur ce flash mob. Tout d'abord, il se déroulera le samedi 20 mars à la place du Barreuset à Dijon, c'est évident, à 14h. Donc je répète, samedi 20 mars, place du Barreuset à 14h. Essayez d'être là une demi-heure à l'avance, histoire d'éviter les soucis de dernière minute et de se mettre dans l'ambiance. Donc voilà. Autre chose, pour les personnes qui sont intéressées, qui veulent participer à ce flash mob, ça serait bien de nous laisser vos coordonnées, un nom, un prénom et un numéro de téléphone. En fait, pour nous, ça nous permettra d'évaluer le nombre de personnes qui risquent de participer. C'est hyper important, qu'on soit 100, 50, tout change. Donc voilà. Et sinon, je vais vous laisser notre boîte mail. C'est figuredestyle@orange.fr. Je répète, figuredestyle@orange.fr. Normalement, j'ai tout dit. Sinon, je tiens à vous remercier. Enfin, je vous remercie d'avance pour les personnes qui vont participer. Et aussi celles qui regarderont les vidéos et peut-être qui ne voudront pas danser. Juste le fait de regarder, c'est déjà cool, quoi. Donc voilà. Merci bien et j'espère que vous allez kiffer. Et c'est tout. Maintenant, on passe à la partie chorégraphique. Vous allez voir, les pas sont... C'est la mort. Non, je rigole. Non, les pas sont hyper simples et tout. On a fait en sorte que ce soit accessible à tout le monde. Et puis voilà. Donc maintenant, on passe à la partie choré. Ok, on va attaquer le premier couplet. Je vais vous expliquer le déroulement de la vidéo. Donc en fait, ça se passait comme ça. Il y a 4 couplets dans la musique, ok? Donc il y aura 4 chorés différentes, plus une à la fin avec la version entière où je ferai tout d'un coup, d'accord? Ça sera un récapitulatif. Ensuite, pour chaque couplet, il y aura 3 répétitions, d'accord? Une vue de face, sans musique, une vue de dos, sans musique, et une vue de face avec la musique, d'accord? Et avant de commencer, attention à l'effet miroir, parce que quand vous allez regarder la vidéo, pour vous, ma droite, ça va être votre gauche, et ma gauche, ça va être votre droite. Donc faites bien attention à ce détail, parce que sinon on va tous se retrouver dans un sens et dans l'autre. Donc respectez bien mes mouvements. Donc je commence. Premier couplet et premier mouvement. Donc sur 2 fois 8 temps. Bien sûr, avant de commencer, vous aurez un ton. C'est hyper important. La musique de Nerd commence par des aboiements. Donc, dès que vous avez entendu ceci, vous avez 2 8 pour simuler la vibration. D'accord? Donc je vous montre que c'est très très simple. 2 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, deuxième, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Ensuite, vous avez un 8 pour vous répartir où vous voulez dans le public, d'accord? Un 8, vous partez sur un 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je bloque, vous prenez la pause que vous voulez, d'accord? Et vous bloquez pendant 9, 8 ans, d'accord? Très important, 9, 8 ans, vous bloquez. Une fois les 9 temps passés, vous vous réanimez et vous rattrapez au refrain, d'accord? Je vous montre bien les pas. Bras droit, attention, bras droit. On fléchit les jambes. 1, 2, 3, 4, gauche, 5, 6, 7, 8, cœur, 1, derrière, 2, 3, 4, les yeux, 5, 6, 7, 8, la tête, 1, 2, 3, 4, j'avance, 5, 6, 7, 8, je lève les bras, 1, 2, et là, ça fait 3, 4, j'attends, 5, 6, 7, et pas très compliqué. Hein. Encore une fois, je reprécise, attention à l'effet miroir. J'ai bien passé droite, gauche et cœur. Ok? Petite précision par rapport au temps de pause. D'accord? Par rapport aux 9 temps.
parce qu'il y a des personnes peut-être qui n'ont jamais dansé, qui ne savent pas compter sur la musique. Donc ne vous inquiétez pas, normalement vous aurez un repère. Parce que pendant que vous allez bloquer, il y aura une partie qui danseront. Et hop, ils partiront au refrain. Et pour vous, ça sera le repère, d'accord? Donc si vous êtes perdu, c'est pas grave, regardez, hop, il y a un petit groupe. Eux, ils sont bien ensemble et hop, vous rattrapez. Sinon, merci. Maintenant, la chorégraphie de tour. Une petite précision. La Corée se fait face à la rue de la Liberté, d'accord? Donc imaginez là le graphe, vous voyez, c'est la rue de la Liberté. Donc je vais faire de dos face à la rue de la Liberté. Donc il y a les aboiements. C'est parti. 2, 8, je vis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 8, je disperse. Moi, public. Je pars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Figé. Pendant 9, 8. Côté 9, 8. Où j'attends le refrain. On bloque, on bloque. Ah, le refrain part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est tout. Cette fois-ci, je vais faire la chorégraphie sur la musique. Donc dites-vous bien que moi, là, je suis face à la rue de la Liberté. D'accord? Donc pensez bien à ça. Pensez-y bien, pardon. Donc voilà.